Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour une découverte assez étrange. Par contre, cette musique. C'est stylé. Hein. Ouais, vous ne trouverez ça que sur Comme d'habitude Gaming. Hein. Il n'y a aucune vidéo qui commence comme ça, je vous préviens. Donc vous avez pu le voir, c'est un jeu de Crytek. Fait donc avec le CryEngine, bien sûr. Je m'attendais à un jeu. Alors j'ai encore rien lancé, hein. On se calme. Hein. J'ai juste checké à peu près la gueule du machin. Normalement, j'ai pu modifier les options, je crois. Graphisme, on est passé en moyen, c'est bon, il a réussi, hein, même s'il a fallu que ça crache et que je redémarre le truc. Donc vous l'aurez pas en élevé, hein, graphiquement, je vais pas le tenter, hein, puisque le jeu est pas encore ouf stable. Donc moi, de tout ce que je vois, en fait, ce que j'ai sous mon nez, déjà, c'est que dites non au scénario, hein, le scénario pour les autres. Série d'élimination, série d'expulsion... Ça il boost gratuit direct. Mécanique, ok. Tout ce que je vois, moi, c'est écrit ici joueur tué. C'est-à-dire que pour moi, c'est un battle royale. Où ça y ressemble. On peut recruter un chasseur. On va prendre un pigret. Vous rappelez mon pote Pigret, un moustache. Je prends un moustache. Un moustachu comme Jaja. Ok. On a une boutique ici, donc, avec tous les éléments du monde. Formidable. Ah oui, alors si je clique pas sur tout, ça va être le bordel, c'est ça. Ok. Donc on a le couteau, on a une lampe électrique. Alors ça, je ne sais pas si c'est mon chasseur ou si c'est moi, si c'est tierce individu, je ne sais pas. Je sais que j'ai des sous, alors je vais acheter ça, je vais acheter ça. Ah oui, d'accord, ça ne l'achète pas. Dans le doute, je vais tout acheter. J'en bats les couilles, ça coûte que dalle. Et on joue. Contrat aléatoire, contrat 1, araignée bouchée... 200 balles, 150 balles, on a tout et n'importe quoi. On va prendre le contrat 1. En solo ou invité, aléatoire. Aléatoire, je m'en fous. Ok, au moment de la journée gold. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais ouais, je suis prêt. Et on est avec Triskataratos, qu'on appelle le Mexicain Moldave dans le milieu. Bonjour. Ok, donc on va jouer avec un Moldave. Ah, j'ai pas regardé, ah, c'est ça que j'ai oublié de faire. J'ai oublié de regarder les touches. Je me suis tellement fait omnibuler par la musique de ce jeu en lançant, que du coup j'oublie tout le reste, donc je n'ai pas de café. Donc là vous savez déjà que c'est une vidéo qui tourne mal, hein. Clairement. Excusez-moi, non, ça va. J'ai pas de café, j'ai rien là.
Et j'ai pas regardé, oui, si le jeu était en Jeten. I can hit a punch to use a knife. Must I unlock it? I don't know. Oh, excusez-moi, mes souhaits, hein. Oh. J'ai validé, I don't know. Valide. Ah. Un chasseur peut acquérir jusqu'à 15 traits au cours de sa carrière. Une fois un trait attribué, il ne peut pas être retiré. Ça, ça sent les blessures moches. Donc ouais, c'est bien ce que je pense. Normalement, ce jeu est un payday-like, on va dire, hein, dans le sens où vous êtes 4 personnages en coopération. Et on va faire que du PVE, en gros. On va casser du cucu de mon monstre. Gratuitement. Enfin, gratuitement, non, ça nous rapportait de l'argent. J'étais en train de me dire, ça aurait été rigolo qu'ils fassent un espèce de Dying Light. C'est-à-dire que si on veut, genre, les joueurs peuvent s'amuser à jouer des monstres dans n'importe quelle partie. Genre, tu rejoins une partie et tu joues juste les grosses cibles à abattre. Ça aurait pu être rigolo aussi. Ça aurait pu être rigolo. Alors t'aurais un petit choix dans ton coin d'écran qui ferait, qui te donnerait le nombre de bestioles actuellement que tu peux, qui est possible d'incarner, genre encore 15 bestioles incarnées, etc. Et tu cliques pour rejoindre. Ça t'envoie directement dans un boucher ou dans une araignée géante. J'aurais peut-être dû me mettre un café avant de lancer ça. Mais bon, je me suis fait avoir par la musique. Désolé, quand ça arrive. Hein. Pour ceux qui sont assez anciens, vous connaissez mon amour pour le blues. Hello mate, can you hear me? Do you have a mic? Yes? No? I have a knife. Can I hit them with it? Or I will throw it. If I press the button. Alors attends, bonhomme, je suis embêté. Pas le clic molette par hasard? Do you hear me? Non? I am new game, bro. Let's go. I will follow. Ah ok, d'accord. Bah c'est pareil pour moi, mec. Hein. Donc on va suivre pareil. Ouh, on a déjà les gros ralentissements. Ok, oula, on sent que le jeu est en PLS. Ah, par contre, si ça c'est moyen en LV, il y a moyen que le jeu soit vraiment beau. Oh, je me TP, c'est magnifique. Hein. Oulala. Dans la minute où il y a une bestiole qui pop, je suis mort. J'annonce. Hein. Il n'y a pas moyen de s'ouvrir ces clébards en deux là. Oh là là, c'est une horreur. L'optimisation du jeu là, oh là là, les sons, il n'y a plus rien. Le jeu est en vacances. Deux secondes, je vais juste check ce qu'il donne sur mon pros. Juste pour voir un peu. Au cas où ce serait pas de mon côté. Hein, parce que j'accuse le jeu, mais c'est peut-être de mon côté que ça merde. Donc déjà, il me bouffe 5000 octets de mémoire. Donc il vous faudrait une très grosse mémoire pour ce jeu. D'accord. Et la touche rechargée, s'il vous plaît. Ah, c'est ça en fait, c'est mon pros qui est en PLS. J'aurais dû garder le jeu en faible.
prends de la mine. Sont tellement la best histoire. What's up? What's... Ah, il a marché sur un piège, donc il est instant de... C'est quoi l'histoire là de la lanterne? D'accord. D'accord, il faut que je valide avec un clic gauche, ok, pour lancer une lanterne. Ok, graphiquement c'est très moche, c'est pas stable du tout. Au secours. Le jeu là, réagit. Oh, le jeu en PLS. Impossible de prendre ses munitions spéciales. D'accord. Est-ce qu'on va avoir une diffusion du feu? Ouh là là là, c'est la grosse TP. Hein. C'est compliqué. Ouh, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Je peux pas faire grand chose avec mon lag. Et j'ai pas de soin, c'est ça? C'est trop de soin. Ok, colle-moi ça. Ok. Je suis un monstre ou pas? Chasse. Je peux prendre une petite masse. Je veux prendre la petite masse hein, si on peut. Mais oui. Mais oui. Pas besoin que ça fasse de bruit. Ah. Bon bah on va sauver le soldat Ryan hein. Ça rame tellement fort. Alors mon processeur 70-76 bah non c'est bon en fait. Ok d'accord c'est bien. Donc le jeu qui a un petit souci technique S'il est encore mort d'un piège à loup c'est quand même con. Par contre s'il est pas mort d'un piège à loup. Vous êtes figé dans l'espace-temps, hein, c'est ça? Alors, vous êtes dégueulasses, les yinches, hein. Ah ouais, non, c'est le... C'est leur engine qui est pas du tout opti, hein. Après, j'aurais peut-être dû le mettre en fait pour l'avoir en plus opti, mais... Je dois avouer qu'il est dégueulasse. Parce que là, c'était au moins censé... En plus, je suis capé à 60 FPS, donc je veux dire, il n'y a pas d'abus. Après, j'essaierai de vous refaire sûrement un épisode beaucoup moins dégueulasse que ça. Là, pour l'instant, j'essaie. Ouais, non, mais là, là c'est le vrai jeu. Regardez. J'avance, regardez. Regardez comment j'avance. C'est pas beau, ça? J'avance, je me TP dans le jeu, en fait. Et on peut déjà acheter ce jeu. Hein. Donc, on peut le pré-acheter. C'est ouf. Voilà, c'est ouf. Ah oui, non, c'est ça en fait. Ouais, j'ai carrément des pas de réponse. Sur mon pros, sur mon gestionnaire de tâches, j'ai carrément des pas de réponse. C'est ce qui fait que je me TP. J'appuie sur une touche en fait, j'ai pas de réponse. Alors est-ce qu'il y a un conflit dans les touches? Je pense pas. Bon, attention, on peut prendre la pelle. Ce jeu est formidable. Ah, je peux prendre la base déjà. J'annonce. Je peux reprendre une masse. Bon jeu. Ouais, faut dire ce qu'il y a, hein. Bois du poisson-chat. Il y a un zombard. Est-ce que tu cours? Ouais, non, mais je vais me prendre un coup de lame, mais il faut que je teste. Oh ouais. Ok, il est super rapide.
Lent du cul. Ah, j'ai pas pu arrêter le saignement assez vite. Donc j'ai été tué par un grunt. Alors est-ce que je suis mort quand je spectate un pote ou il peut encore venir me chercher? Option. Alors, est-ce que je peux faire l'affront à ce jeu de baisser les graphismes pendant le jeu? Je vais tenter. Je vous garantis rien. Appuyez pour parler. Accrochez-vous. Ah, ça va être une vidéo un petit peu lente, hein. Navré. Oh, c'est chaud. C'est chaud ce que j'ai fait à ce jeu. On peut se mute dans la mort, ça c'est cool. Tu peux continuer à parler à tes potes après, sinon, mais sinon tu peux faire le choix roleplay de tu es mort, donc tu es mort. Si on a une spatialisation du son, j'avoue, ça peut être cool. Ah, pour le coup, c'est un jeu à immersion, ça peut être très rigolo. Par contre, j'ai bien peur d'avoir fait crash encore le jeu. Ah, le jeu est tellement stable, les petits ennemis, c'est horrible. C'est vraiment... C'est vraiment de la merde. Moi j'y crois mort, hein. Non, j'y crois zéro. Est-ce que tu veux bien arrêter de débourrer mon pros? Débourre. Débourre au moins, connard. Si tu crashes, et pas crash réellement. Alors c'est utilise Easy Anti-Cheat Service, qui est pas lourd par contre, hein, par rapport à un Battle Eye qui tombe très fort sur les PC. Contre le Easy Anti-Cheat. Alors j'ai réduit ma fenêtre et ouvert ma fenêtre pour voir s'il va se passer quelque chose. Ça m'a l'air un peu compromis. J'ai un peu l'impression que c'est comme ça que va se finir cette vidéo, hein. Donc, je vais pas vous faire l'affront de relancer une mission, de relancer le jeu, tout ça. Ça va être compliqué. Je pense que je vais y rejouer avec quelqu'un d'autre et avec vous. Je vais faire une partie aussi sans vous, histoire de voir si ça débug ou pas. Voilà. Bah, si je vous fais des bisous, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour le preset de Hunt, donc qui est gratuit encore pendant 2 jours là. Enfin là, le temps que je vous le sorte, vous l'aurez demain matin, hein, il vous restera 24 heures pour le télécharger et l'essayer. Des bisous.